à la base étudiant en architecture, au niveau de l'aviation, Web design, pas de Flash, développement ActionScript, etc., programme de open source. Il y a 3 années, j'ai découvert Haja Esma FabLab, entre autres le matériel open source et bien sûr le do it yourself qui englobe tout ça. C'est le principe de base de faire soi-même ce dont on a besoin. Bon, je vais vous expliquer une idée, donc je vais vous faire pour m'aider. Donc, le do it yourself ou la variation de DIY, c'est l'abréviation de do it yourself, qui veut dire faites-le vous-même. Et Léo, à la base, qui veut dire bricolage, bidouille ou système D. Et bien sûr, ça consiste à faire soi-même tout ce dont on a besoin, de meubles, vêtements, bijoux, céramique et pourquoi pas instruments de musique. Donc, en réalité, c'est la forme la plus basique de la création et de l'invention. La phrase do it yourself est apparue vers les années 50, faisant référence aux travaux d'installation et de réparation et d'amélioration effectués chez soi par le propriétaire lui-même. C'est en fait tout ce qui est bricolage à faire à la maison, réparation, etc. Le concept a ensuite évolué avec le mouvement contestataire des années 70 pour devenir un mode de vie s'opposant à la société de consommation. C'est-à-dire que, en fait, vers les années 70, il y avait eu un mouvement contestataire avec le mouvement punk, etc. Et on s'opposait à tout ce qui est consommation, tout ce qui est produit par la société de consommation, et on s'est dirigé vers un sens de production personnelle et de faire soi-même certaines choses. Bien sûr, d'autres pensées ont été touchées par le do-it-yourself, envahies par le mouvement do-it-yourself, et sont alors apparus des mouvements de musique, de comédie, d'auto-édition de livres et de magazines. Do-it-yourself, bien sûr. Bon. Excusez-moi, je ne vais pas bien préparer mon discours, donc voilà. Ensuite, je passe au Fab Lab. Bon, je crois que je vais virer les papiers. Donc, le Fab Lab, c'est l'abréviation de Fabrication Laboratory, qui veut dire laboratoire de fabrication. C'est un concept qui est apparu au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, sur la base d'un cours qui était intitulé How to Make Almost Everything, qui veut dire comment faire presque tout et n'importe quoi, c'est-à-dire faire tout et n'importe quoi soi-même. Donc, le Fab Lab a quelques machines nécessaires à son fonctionnement. La fraiseuse numérique, la découpe laser et l'imprimante 3D. Ces trois machines sont les machines essentielles pour faire pratiquement tout et n'importe quoi, bien sûr avec un peu d'imagination et un peu de technicité. Donc c'est peut-être, pour rejoindre le titre, l'intitulé de ce TEDx, c'est peut-être l'ingénierie du futur, l'ingénierie à faire soi-même par des personnes motivées,
des personnes qui peuvent ne pas être des ingénieurs, qui peuvent être monsieur tout le monde, comme moi-même, je ne suis ni ingénieur, ni électronicien, ni technicien, ni rien du tout, mais je suis intéressé. Et le fait d'avoir des espaces ouverts, qui est le principe d'un Fab Lab, c'est un espace ouvert, accessible à un public qui peut être des étudiants, des élèves, une personne qui a besoin d'une chaise, il peut la faire soi-même, une personne qui a besoin d'une table, il peut la faire soi-même, ou bien même des prototypes de machines un peu plus complexes, soit pour un projet de fin d'études, pour des étudiants ingénieurs, ou des choses utiles à la maison. Donc, ce qu'on a pu faire, par exemple, avec des machines... Donc, en 2008, il y avait pratiquement une vingtaine de Fab Labs répartis dans le monde, dans 10 pays. Ensuite, maintenant, en 2012, on compte presque une centaine, soit déjà constituée, soit en cours de constitution. Donc, la base d'un Fab Lab, c'est le partage, l'échange et l'ouverture. Bien sûr, partager ses connaissances dans un espace où on peut former, s'auto-former ou s'entraider pour acquérir une connaissance bien spécifique. L'échange de des expériences et des résultats et bien sûr l'échange sur internet des sources de ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire si on fait par exemple une table, on peut faire les schémas de découpe de cette table et la partager sur internet. Il y a par exemple le site Thingiverse qui offre des sources de modèles imprimés en 3D qui peuvent être réimprimés, etc. Donc l'ouverture rejoint le principe de l'open source. Et là vient l'open source hardware. L'open source hardware, c'est bien sûr comme l'open source dans le software, et c'est le fait de rendre ouvert et accessible toutes les sources en plan, en schéma électronique, etc., en source logicielle, de tout ce qu'on a produit, tout ce qui est nécessaire à la reproduction d'un matériel open source. Parmi les machines les plus répandues en open source, il y a par exemple la fraiseuse numérique, la ShapeOpo, qui est une machine dont toutes les sources, les plans, par exemple, la structure est découpée avec une imprimante, avec une découpe laser, et on peut trouver le schéma de découpe de cette structure. Il y a aussi les schémas électriques, la programmation nécessaire à son fonctionnement. Donc, on peut la reproduire soi-même. Il y a aussi la découpe laser Laserosaur qui est aussi disponible en open source. On peut soi-même faire cette découpe laser. Il y a aussi des imprimantes 3D qui sont en vogue actuellement. Il y a des imprimantes 3D qui sortent pratiquement tous les jours, des modifications d'imprimantes 3D et des évolutions. C'est là l'avantage de l'open source, c'est-à-dire on a la source, on a les plans, la structure, le logiciel. On peut soit tout simplement la reproduire, c'est-à-dire prendre les plans, la découper, l'imprimer, l'assembler, soit la faire évoluer. Et c'est là l'avantage de l'open source et du partage de cette connaissance. Donc il y a la MakerBot, il y a la RepRap, qui veut dire Replicating Rapid Prototyping. Il y a aussi l'Ultimaker, qui a l'avantage d'aller un peu plus en hauteur.
Et on peut, avec ces imprimantes 3D, faire des merveilles. On peut imprimer des formes soit utiles, soit artistiques, soit des jouets, soit ce qu'on veut. C'est l'imagination qui importe dans tout ça, et l'utilité par la suite. Il y a aussi dans l'électronique les cartes programmables type Arduino. C'est des cartes à base de microcontrôleurs Atmel. Certains diront on utilise le PIC chez nous, par exemple, pour les étudiants d'ingénieurs. La plupart connaissent le PIC plus que l'Atmel. Il y a des cartes similaires avec un PIC, par exemple le Pinguino, qui est un Arduino à base de PIC. Et avec ce genre de cartes qui sont facilement programmables, moi-même j'en ai programmé pour des utilités basiques, sans avoir de connaissances ni en électronique, ni en... Bon, j'ai quelques connaissances en programmation, mais ça m'a suffi à faire des choses intéressantes. Et par exemple, quelques usages de ce genre de cartes programmables. On peut y brancher par exemple un module avec afficheur et faire une montre, par exemple. On peut y brancher des lecteurs de cartes et faire un contrôle d'accès avec un afficheur, par exemple. Ou de la robotique, mettre des moteurs, des capteurs ultrasons et faire un robot autonome. Donc là, l'avantage d'une carte qui est modulable et évolutive et open source. Donc on peut soit l'utiliser, soit la refaire. Il y a ses sources, il y a ses schémas, on peut la reproduire soi-même et on peut faire une recherche et trouver des clones Arduino en centaines. Tout le monde peut participer et faire son propre Arduino. Donc pour aller plus loin encore dans l'open source, il y a le projet Global Village Construction 7. Donc, c'est un projet qui a été initié en 2000. Donc, il a été initié par Marcin Dubowski en 2004 et qui comporte une cinquantaine de machines-outils open source qui peuvent être reproduites par tout le monde et qui sont utiles soit à l'agriculture, soit à la construction, soit à l'énergie. Donc, parmi ces machines, il y a par exemple une presse à briques de terre, une bétonnière, un bulldozer, un tracteur, une pelleteuse, une foreuse, une voiture, pourquoi pas, un camion, un concentrateur solaire pour faire de l'énergie solaire et une éolienne, aussi des découpes. Des découpeurs plasma, un post-soudure, des bras robotisés, des fours à induction, etc. Donc ces machines-là ne sont pas toutes entièrement produites. Certaines sont en cours d'étude, d'autres ont déjà été réalisées et prototypées et des centaines de personnes y participent à travers le monde. C'est pas une seule personne qui fabrique tout ça. C'est un réseau, et c'est là l'avantage de l'open source, c'est qu'il est ouvert et des personnes de plusieurs pays à travers le monde peuvent participer par leurs idées et partager et trouver des solutions qui peuvent être réalisées par tout le monde. En 2011, l'année dernière, est apparu le projet Open Source Écologie, qui est la continuité qui émerge de cette solution-là, qui a pour objectif de libérer les solutions technologiques d'une façon écologique
pour éviter de produire certaines choses qui consomment trop d'énergie ou bien qui ne servent c'est le fait de partager avec tout le monde ce qu'on a réalisé. Voilà. C'est à suivre. Plusieurs projets open source sont en cours. Je dirais même que tout le monde s'oriente vers l'open source. On peut mettre tout simplement open source et voir sur Internet ce que ça donne. On peut trouver de l'open source architecture, de l'open source écologie, de l'open source de l'enseignement open source aussi. Donc, tout le monde s'oriente vers l'open source et c'est peut-être le futur de notre planète et de l'ingénierie aussi qui peut s'orienter vers l'open source et ce sera aussi intéressant pour les étudiants d'y participer. Donc pour participer, bon, il y a une page Faites-le vous-même Tunisie, Tunisie Adulte Serf, qui travaille depuis presque 3 ans. Donc c'est pas une page qui est très visitée que... Il n'y a pas beaucoup de gens intéressés, mais vous pouvez y participer et donner votre avis et voilà.